Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis. On va débriefer vite fait ce match de cette équipe algérienne qui était vraiment sur le papier favori. Ils étaient favoris les Algériens et ils sont sortis comme du beurre. On va dire vraiment, moi j'ai vu des vidéos, c'est vrai, il y en a qui disent qu'il y a eu de la sorcellerie, de la poisse, etc. Moi j'ai vu des vidéos aussi, je peux vous dire que c'est confirmé. J'ai vu des gens qui mettent du sel dans les cages pour pas que... Bon, enfin bref. Je ne veux pas revenir dessus. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le match d'Algérie, l'Algérie a fait son dernier match et est sorti. Là, ils vont prendre le billet pour prendre l'avion pour entrer en Algérie avec cette Coupe d'Afrique ratée. J'espère que ça serait, la prochaine sera meilleure pour eux en Côte d'Ivoire. Mais on va dire que cette Coupe d'Afrique, vraiment, moi, c'est dommage pour eux parce qu'ils peuvent au moins se qualifier, au moins pour le second tour. Mais l'Algérie avec Djamel Belmadi, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire comme équipe. Puisque moi, je n'ai pas compris un peu ces emplacements de joueurs. Il y a des choses que je n'ai pas compris. Pourquoi il y a certains joueurs qui sont toujours là alors que bon, ils n'arrivent pas. Et je comprendrai toujours pas ça. Pourquoi certains joueurs n'est dans le stade alors qu'il ne doit pas être dans le stade. Il devrait un peu tourner, chercher la solution pour gagner un match, ce reste qu'un match, c'est tout simple un match. Même si vous allez dire quand même que oui, la Côte d'Ivoire était supérieure parce qu'ils étaient vraiment très en forme, premiers avec 4 points. Et aujourd'hui, ils ont les points qu'il faut, comme vous allez regarder le classement. Vous regardez le classement ensemble. La Côte d'Ivoire est premier avec le nombre de points que la Côte d'Ivoire est à. Attendez que je regarde un petit 2 minutes. Voilà, la Côte d'Ivoire a 7 points, premier avec 7 points, comme vous voyez dans le classement. Et du coup, l'Algérie avec ses un point avec c'est grâce à ce match nul que les Algériens ont fait dans le premier match de la Coupe d'Afrique. Mais on va dire que bon, il y avait quelque chose quand même à faire. Parce que comme vous voyez ce classement-là, il y avait quelque chose. Puisque quand vous voyez que l'Algérie s'en sort avec un point et éliminé avec un point alors que le troisième a que 2 points, ce qui fait dire que l'Algérie peut gagner ce match pour avec toutes les chances dans le premier, deuxième, troisième match pour au moins se qualifier. Mais bon, quand on va dire cette histoire de sorcellerie tout ça, je sais pas si ça allait jouer. Moi je dirais oui quand même un peu, peut-être que ça a dû marcher ces histoires de sorcellerie. Et aussi pourquoi Djamel Belmadi a fait cette équipe. Pourquoi il a fait ça? Moi, je comprends pas. On va regarder ensemble sa composition d'équipe. Ce qu'il a mis dans son équipe, parce que moi, c'est ce qui m'a un peu interprété dans cette équipe algérienne. Pourquoi je comprends pas. Il y a quelque chose qui va pas dans ce Bounedia, par exemple. Bounedia, on le voit pas. On ne le voit pas, il ne marque pas, et après il change Boulimidja, il change Belali. Je ne comprends pas, il y a des trucs que je n'ai pas compris. Et je pense que je ne comprendrai pas. Parce que vu déjà le placement des joueurs, je ne comprends pas, quand tu veux gagner un match, tu fais le tout pour le tout. Moi, j'aurais dit pour gagner ce match, j'aurais fait un 4-3-3 pour essayer le tout pour le tout. Et j'aurais mis à la place de Boulimidja, j'aurais mis Soleimani, j'aurais laissé Mahrez. J'aurais juste mis à la place de comment il s'appelle, Ramar, le 27, excusez-moi, à la place de ce joueur j'aurais mis le numéro 11, joueur algérien, je sais plus comment il s'appelait, enfin bref, je vais pas chercher. Mais je pense qu'il y avait quelque chose à faire dans ce match là, il y avait quelque chose à faire, parce que après, c'est vrai que la Côte d'Ivoire était supérieure, mais bon, il y avait quelque chose à faire. Il fallait juste chercher une équipe gagnante, c'est-à-dire chercher ceux qui avaient plus la motivation, plus faim. Puisque ce qu'on voit dans ce match, c'est juste à la fin, quand l'Algérie a pris ses 2-3 buts, que ça commence à gangasser. Et comme aussi ceux qui ont regardé le match, vous avez bien suivi le match, que les gens qui sont rentrés, c'était les gens qui étaient les plus agacés. Par exemple, Soleimani, il était agacé, même à la mi-temps, il parlait avec l'entraîneur pour éventuellement rentrer, etc. Essayer de comprendre ses choix, ça ne passait pas. Et puis il est rentré, il a fait ce qu'il a pu. Et puis le reste, c'était
C'était vraiment catastrophe. Moi, je pense que dans le placement de joueurs, il y avait quelque chose à faire dans le placement de joueurs et dans les joueurs qui avaient à jouer, puisque ce n'est pas normal. Ils devaient au moins, serait-ce que faire un match nul ou gagner le match, tout simplement. Il y avait quelque chose à faire. Mais je pense que l'entraîneur adjoint, malgré ce match-là, va sûrement être délogé, je pense, j'espère, pour les adjoints. Parce qu'il y avait un entraîneur qui avait fait gagner la Coupe arabe. Il ne peut pas jouer la Coupe d'Afrique, puisqu'il avait fait déjà sa Coupe. Donc peut-être que c'est lui qui prendra sûrement la suite de l'équipe internationale algérienne. Mais je suis quand même déçu pour l'Algérie. Je ne pensais pas qu'ils allaient être éliminés là. Forcément, je pensais que l'Algérie allait être qualifiée au moins et plus loin peut-être être éliminée, mais pas tout de suite. Ça allait trop vite là, tout de suite à éliminer. Non, mais là, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense que l'entraîneur va sauter, puis voilà. Je suis vraiment désespéré, déçu pour les Algériens. Je pensais pas que ça allait se passer comme ça. Mais bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Maintenant, l'Algérie est sortie de cette Coupe d'Afrique. On va dire qu'avec un petit point, c'est dommage, c'est malheureux de dire, c'est comme ça. Mais bon, voilà, maintenant, on va continuer la Coupe d'Afrique avec les nouvelles phases de poules qui ont commencé enfin. Les prochains matchs, comme vous avez vu sur le... Comme nous allons voir ensemble, le Cameroun va jouer contre le Comores, une équipe qui était en vérité comme l'Algérie, en fait. Tout simplement. Le Comores est une équipe qui était comme l'Algérie, qui était éliminée. Ils étaient éliminés et ils ont tout donné et ils se sont qualifiés. Ils ont tout donné. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire et ils ont terminé troisième alors qu'ils étaient, c'était une équipe qui était éliminée. Donc maintenant, ils vont jouer contre le Cameroun qui était largement qualifié. Donc je ne vous dis pas que voilà, il y a largement le Cameroun est favori de ce match entre le Comores. Et puis on verra qu'est-ce qui va se passer parce que peut-être que le Comores va nous étonner aujourd'hui. Mais bon, les Lions d'Omtab, ils sont là et je pense que ça va faire un bon match. Peut-être, moi je dirais une victoire de Lions d'Omtab. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Désolé pour la dernière vidéo du match du Cameroun qui était déjà qualifié. J'étais pas disponible, ça arrive. Et puis on se retrouve pour le prochain débrief entre le Cameroun et le Comores. Voilà. Je suis désolé quand même, je suis désespérant, désolé de ce match de la Algérie, je ne comprends pas. Ils sont déjà qualifiés, ils sont déjà éliminés. Déjà éliminés et la Côte d'Ivoire est qualifiée, ils les ont tapés. Oh là là, je ne comprends pas. Bon, c'est ça, mais salut. C'est dommage pour les Indiens. C'est dommage. Allez.